Salut, c'est Siro. Ce que je vais faire là, une très courte vidéo, juste en fait pour te faire part de quelques bouquins, de conseils de lecture. C'est l'été, c'est bien de lire. Donc voilà, je vais te filer trois bouquins qui sont vraiment énormes pour l'apprentissage de la musique. Le premier bouquin, c'est La théorie de la musique de Adolf Danhauser. Alors celui-ci, il est vraiment bien. Tu verras, de toute façon, il a une couverture Bordeaux. Enfin, dans l'édition actuelle. Donc il est vraiment bien, il explique toute la théorie de la musique depuis le début jusqu'à des notions assez poussées. Et ce que j'aime bien dans ce bouquin-là, précisément, donc c'est que c'est très clair. On capte vraiment bien toutes les notions, c'est pas un gros pavé, c'est vraiment super, enfin, je le trouve très bien. Et en plus, il y a des petits encarts culturels. Donc la théorie de la musique de Danhauser, celui-ci, il est vraiment, vraiment chouette, ça c'est pratiquement un livre de chevet. Il est vraiment cool, carrément. Ensuite, un bouquin que je trouve vraiment bien, c'est La lecture à vue pour la guitare d'Eric Böll. Alors celui-ci, il est vraiment, vraiment super chouette. La méthode, elle n'est pas énorme, il fait 81 pages. Et je t'assure que quand tu t'es bouffé la méthode, tu vois plus du tout ta guitare de la même façon. Voilà, si on sait lire la portée, on commence à avoir accès en fait à la musique dans son universalité. Et ça change beaucoup de choses pour comprendre, en fait. Et ça, c'est cool, très cool. Le troisième bouquin, c'est la Bible. C'est en fait la partition intérieure de Jacques Siron. Alors c'est un gros pavé énorme, c'est un gros bouquin bleu. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description sous la vidéo, comme je fais d'habitude, et peut-être même des photos là pendant la vidéo, on verra. Donc la partition intérieure de Jacques Siron, celui-ci, il est génial. Il y a tout, il y a absolument tout. Bon voilà, et en petit bonus, allez, je file trois autres bouquins encore sur la musique qui sont vraiment, vraiment très intéressants. Il y a L'aide-mémoire musicale de Marcel Beach-Holstein. Ça, c'était mon prof d'harmonie au conservatoire qui me l'avait conseillé. C'est vraiment un très, très bon aide-mémoire. C'est comme si c'était la synthèse de la théorie de la musique de Danhauser, qui est déjà très claire. Donc voilà, c'est un petit plus sympa, c'est un petit format, c'est un petit bouquin bleu. C'est chouette. Ensuite, on a un bouquin que j'adore, qui est vraiment très 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 bien, c'est La méthode de guitare jazz de Thierry Vaillot et Jean-Michel Larbier. Enfin, tout ça de tête, c'est un bouquin noir avec un petit bonhomme qui tient une guitare dessinée genre à la craie. Ça part vraiment du début et ça va jusqu'à des notions très poussées, donc ça concerne l'harmonie jazz, mais bon, enfin voilà, le jazz c'est important. Si on veut apprendre plein de trucs, développer la musique, c'est vraiment un truc très important de bosser le jazz. J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Donc voilà, méthode de guitare jazz, c'est vachement cool, ça part du début. Il y a quelques diagrammes qui montrent les positions d'accords, la gamme majeure, l'harmonisation de la gamme majeure, c'est-à-dire la superposition des notes de cette gamme-là. Chacune des notes de la gamme est le point de départ d'un accord. Donc on commence à comprendre les cadences, qu'est-ce qu'on peut jouer pour improviser. Voilà, et ça va dans des trucs assez poussés comme les substitutions tritoniques, l'utilisation de la gamme mineure mélodique, de la gamme mineure harmonique et de leurs différents modes. Enfin, c'est super chouette avec des exemples, avec un CD. Donc, ouais, ça, c'est cool. Très, très bien. Très, très, très bien. Et pour terminer, bah voilà, une fois qu'on a bossé un peu tout ça, ce qui est cool, c'est de bosser un peu quelques morceaux dans le readbook. Ça permet donc de mettre en pratique tout ce que tu as vu précédemment dans les principales méthodes et de garder bien sûr ce que tu aimes, toi, relever ou travailler ou lire, peu importe. Les readbooks, c'est cool puisque voilà, on va travailler les lectures d'accords, les lectures de thèmes, l'improvisation, on peut créer des voicings, on peut les arranger comme on veut. Bref, c'est un travail d'adaptation qui est sans fin. Voilà pour les conseils de lecture et puis à bientôt. Hein, bye.